Bonjour à toutes et tous. Nous allons encore laisser 1 minute pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent, donc je laisse encore 30 secondes avant de commencer. Voilà, il est 12h02, nous allons commencer. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à nouveau très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le troisième webinaire de notre série à propos de votre avenir. Cette série s'étend sur 4 webinaires, hein, à raison d'un webinaire par mois. Nous sommes au troisième donc, et cette série vous invite à réfléchir à votre parcours professionnel, à envisager vos ambitions de carrière future. Quels sont vos besoins à court, moyen, long terme, comment les prioriser, comment en déterminer, en fin de compte, obtenir ce que vous voulez réaliser dans la prochaine étape de votre carrière. Et donc, après avoir discuté en profondeur lors de nos premiers webinaires, tout d'abord de la clarification de nos objectifs professionnels, ensuite de comment reconnaître les opportunités de carrière qui se présentent à nous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'importance de construire une image de marque personnelle. Et aux meilleures pratiques de réseautage aussi pour atteindre ces objectifs de développement. J'accueille déjà donc nos expertes du jour, Annick Godsmet et Solange Meunier, qui vont se présenter brièvement à vous dans 1 minute. Et donc avec elles, nous allons entre autres examiner aujourd'hui ben, d'abord ce qu'est une marque personnelle et quel en est son intérêt. Ensuite aussi ce que recherchent les employeurs sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux et comment s'y profiler au mieux. Également l'importance du réseautage dans une recherche d'emploi de manière plus générale. Et nous tenterons bien sûr en fin de session de répondre au mieux à vos questions, si vous en avez. Et donc, à cet effet, je vous signale déjà que vous avez une petite Q&A box, soit en haut, soit en bas de votre écran, sur laquelle vous pouvez déjà déposer vos questions au cours du webinaire. Mais on prendra encore 5-10 minutes à la fin du webinaire pour répondre aux questions principales, si nous en avons le temps. Et ces questions, je le précise aussi, sont totalement anonymes. Le webinaire est enregistré, sera à retrouver aussi sur le blog de Robert Half, accessible via notre site web. Et donc, avant de commencer, nous allons d'abord nous présenter brièvement. Et donc, je voudrais demander à Annick de commencer. Et puis, on ira chez Solange et je me présenterai moi-même ensuite. À toi, Oui, Annick. merci. Merci beaucoup, Joël. Donc, mon nom est Annie Goutsmet. D'abord, merci de me donner l'occasion de partager cette passion que j'ai pour le personal branding depuis de nombreuses années. C'est toujours un plaisir de le partager avec des personnes et que ça puisse les aider à découvrir leur brand et à le diffuser. Alors, très brièvement, au fond, mon brand, c'est Make People Dare. C'est aider, accompagner les gens pour qu'ils osent. Et c'est à la croisée de mes deux vies professionnelles, puisque j'ai fait un move il y a 12 ans dans ma vie professionnelle. J'ai d'abord toute une vie en tant que manager exécutive. Après avoir fait Solvay, comme on dit, j'ai eu des fonctions de
de manager et puis de direction, direction marketing, direction générale dans différents environnements professionnels qui m'ont donné la connaissance de l'intérieur de ce que vit un manager ou un exécutif. Et ensuite, je me suis passionnée pour le coaching et depuis 15 ans, en parallèle les trois dernières années à ma vie en tant qu'exécutive, je me suis formée et j'ai découvert le personal branding qui est en fait aux confins du coaching et du marketing. Et donc, ça m'a parlé tout de suite, puisque quand j'accompagne des clients, c'est pour qu'ils découvrent, et on en parlera dans quelques instants, puisque vous aurez certaines questions par rapport à ça, pour qu'ils découvrent leur brand, qu'ils se sentent alignés. Et ma particularité dans cet accompagnement et le retour que j'ai de mes clients est qu'ils me font confiance et qu'ils se sentent boostés et qu'ils osent après soit changer d'orientation professionnelle, soit poursuivre, mais avec un alignement nouveau qu'ils n'avaient pas auparavant. Voilà. Super. Merci Annick. Solange. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je m'appelle Solange Meunier. Je travaille dans le secteur de l'intérim et du recrutement depuis plus de 15 ans maintenant, dont plus de 12 ans chez Robert Half. Ça veut dire que je suis en contact depuis de nombreuses années avec de nombreux candidats que je peux conseiller et aiguiller en fonction des nombreuses évolutions du marché de l'emploi, puisque j'ai en effet commencé ma carrière chez Robert Half comme consultante pour une division intérim Office Team avant d'évoluer dans de la gestion d'équipe et de gérer aujourd'hui le bureau de Gosselies Charleroi avec ses différentes spécialisations, l'intérim, le recrutement ou l'intérim management des profils financiers et administratifs. Merci Solange. Et donc moi-même, près de 24 ans maintenant chez Robert Half, après avoir commencé dans le pétrole, ça date d'il y a longtemps, mais depuis donc j'ai fait énormément de consultances effectivement en recrutement, donc rencontré beaucoup de candidats, de clients intéressés à recruter des profils financiers dans la spécialisation financière de Robert Half à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis responsable de la Wallonie et de Luxembourg pour Robert Half. Pour tous les différents services, donc l'intérim spécialisé, Account Teams, Office Team, l'Interim Management et le recrutement permanent financier. Et maintenant, IT, puisqu'on lance aussi une division IT dans notre région liégeoise. Et également donc, de tout ce qui est Interim Management en Flandre. Voilà. Et donc, je vous propose de nous lancer tout de suite dans le webinaire par un petit sondage pour voir dans quelle mesure vous êtes familier déjà avec la marque personnelle. Et donc, la question est, savez-vous ce qu'est une marque personnelle? Vous avez donc trois choix possibles. Et donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de répondre, prendre le choix qui vous correspond au mieux. Je vous laisse 15-20 secondes pour vous prononcer. Et donc, Florence, quand tu vois l'essentiel des résultats, tu peux nous les envoyer. Donc, on a quand même un peu plus de 10% de notre public qui connaît et qui décline déjà sa marque personnelle sur les réseaux. La plupart d'entre vous connaissent le concept de la marque personnelle. Et donc, il y a quand même encore 30% d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une marque personnelle. Et donc, je crois que tout le monde va en apprendre beaucoup, j'espère, aujourd'hui. Mais en tout cas, intéressant de voir cette familiarité ou pas avec le concept de personal branding et de marque personnelle. Et donc, on va tout de suite demander à Annick, et je vais voir parce que mes slides n'avancent pas. Donc, voilà, ça, c'était la question. Mais Annick, de nous parler de la marque personnelle, la définir un petit peu et puis de parler aussi de l'intérêt d'en développer une personnellement. Tout à fait. Et donc, je vois que quasiment 90% des gens soit ne savent pas ce que c'est, soit ont une idée relativement vague, puisqu'on a 11%, je n'ai plus les résultats exacts, mais 11% à peu près qui la déclinent déjà. Donc, en fait, quel est l'intérêt d'avoir une marque personnelle et qu'est-ce que c'est? Donc, je pense que la définition la plus précise de sa marque personnelle, ce qu'on appelle aussi le personal brand, c'est en fait la valeur ajoutée unique de ce que vous apportez à
une organisation, un employeur, puisqu'on se situe dans le cadre professionnel. On n'est évidemment pas différent dans le milieu privé, mais ici, on met le scope aujourd'hui sur le milieu professionnel. Donc, dans ces mots, il y a valeur ajoutée, unique et donc différenciante. Alors, quel est l'intérêt de connaître sa marque personnelle? Parce qu'ici, on est sur le réseautage et l'image de marque, mais il est évident qu'avant d'aller communiquer sur sa marque personnelle, encore faut-il la connaître. Quel est l'intérêt et pourquoi la communiquer? D'abord pour vous, parce que les personnes qui font cette démarche de manière approfondie, de tous les témoignages et toutes les personnes que j'ai accompagnées m'ont dit que ça donne un véritable alignement. Et l'alignement, c'est ce qui donne de l'énergie. C'est ce qui donne aussi une forme de puissance. C'est-à-dire qu'on sait quels sont ses points forts, on sait ce qu'on vaut sur le marché, on sait ce qu'on va apporter à une entreprise, et donc on est conforté dans une idée qui est forte. Ensuite, par rapport au marché, c'est important d'exprimer la valeur ajoutée, parce que c'est une manière de vous différencier. Et aussi sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une manière de se rendre visible, puisqu'on passera à travers un certain nombre de questions qui vous permettront de l'affiner sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Il y a évidemment des éléments qui vous permettront d'augmenter cette visibilité. À partir du moment où vous la connaissez, comment est-ce que vous pouvez la rendre visible très concrètement? Et c'est une question qu'on va adresser après. Et je pense que le mieux est de vous donner un petit exemple. J'accompagne quelqu'un depuis quelques sessions qui est quelqu'un qui m'a dit à la première session, moi je suis quelqu'un qui a un sens relationnel élevé, je suis ce que les gens appellent le nice guy. Il me dit, je pense que c'est ma marque. Donc on a travaillé quelques sessions et en fait il se fait que cette personne est quelqu'un qui a un engagement extrêmement fort, qui fait aboutir les projets dans les temps, dans les budgets. Les gens de son équipe sont prêts à se jeter au feu pour lui. Donc il y a toute une partie compétence qui n'apparaît pas dans sa marque personnelle et qui n'apparaissait pas suffisamment dans les réseaux sociaux puisqu'il avait mis l'accent sur le côté soft skills relationnel. Et donc au fond, la marque de cette personne, ça pourrait être success through teamwork, par exemple. Mais le mot success au performance est très important. Donc, quand on a un travail sur sa marque personnelle, on va aller à travers un certain nombre de facteurs qui sont le sens qu'on veut donner à sa vie professionnelle. Quelle est la direction que vous avez envie de donner? Hein, c'est Sénèque qui disait, il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait dans quel port il veut aller. Est-ce que vous savez quelle est la direction? Après, vous pouvez prendre plusieurs chemins, mais au moins vous avez le nord sur votre boussole. Il y a aussi vos talents. Les talents, en fait, ce ne sont pas les compétences. Les talents, c'est ce que vous faites naturellement bien. Alors, il est évident que dans chaque job, on a une partie du job qui sont des compétences qu'on a acquises, mais qu'on n'aime pas forcément. Mais il est important que vous soyez majoritairement dans vos talents. Quelles sont vos valeurs? Parce que vos valeurs vont aussi déterminer le type d'environnement dans lequel vous serez le plus à l'aise. Est-ce que c'est une grande entreprise, une petite PME? Est-ce que vous avez besoin d'un esprit de collaboration, d'un environnement extrêmement positif? Qu'est-ce qui vous correspond? Ou d'un environnement où vous apprenez des choses? Il y a des personnes qui préfèrent des environnements apprenants. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments. Et il y a aussi un élément très important qu'on oublie parfois dans la marque personnelle, c'est la manière dont vous êtes perçu. C'est Jeff Bezos qui disait... Votre personal brand, votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, quelle est votre, finalement, réputation professionnelle? Vous êtes connu pour quoi? Est-ce que vous êtes connu pour celui qui apporte des idées innovantes, qui met de l'huile dans les rouages, qui met une ambiance dans l'équipe ou qui fait des analyses extrêmement détaillées, extrêmement intéressantes? Donc, en fait, la perception que les gens ont de vous est aussi importante dans la marque personnelle. Parce qu'au fond, elle est composée d'éléments tangibles et intangibles. Alors, un élément tangible, c'est quelque chose que vous pouvez prouver, qui est objectif. Par exemple, vos diplômes, votre expérience et plus précisément vos réalisations,
Qu'est-ce que vous avez réalisé de concret? Le fait que vous parliez plusieurs langues, ce sont des choses qu'on peut tester. Et puis, il y a des éléments intangibles. Et les éléments intangibles, c'est la personnalité, c'est la manière dont vous parlez, c'est la manière dont vous êtes habillé, dont vous vous présentez. Et vous savez, loi de Mehrabian, je suppose que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je pense que les statistiques sont un peu forcées, mais Mehrabian dit que 93% de la communication est non-verbale. Ça veut dire qu'au fond, ce que vous dites est certes important, mais ça ne suffit pas. Et donc, dans le personal branding, on va aller aussi dans ces éléments plus subtils de ce que vous pouvez apporter. Alors, quand vous connaissez votre brand, on peut le définir par une tagline. Une tagline comme les grandes marques ont des taglines. Hein. Vous savez tous, Nike, c'est « Just do it ». Et dans « Just do it », vous avez toute la communication de cette marque. Mettez vos chaussures et allez-y. Vous avez la possibilité de le faire. Je dirais que dans ma tagline « Make people dare », moi, ce que j'ai, c'est « Know you can ». « Know » du verbe, évidemment, « savoir ». Sachez que vous pouvez, parce que la plupart des gens ne connaissent pas leur talent et donc n'ont pas confiance en eux. Et donc, c'est une autre chose que le personal branding apporte, c'est la confiance en soi. C'est de dire « Oui, ça, je l'ai, je peux le prouver ». Et je peux exprimer ma valeur ajoutée. Alors, la communication, hein, dont on va plus précisément s'occuper aujourd'hui, la communication, c'est à travers tous les canaux de communication. Évidemment, les médias sociaux, et leur importance est évidemment croissante dans le marché, spécifiquement aussi dans ces périodes où, finalement, il n'y a plus de contact face-to-face et la plupart des contacts se font via un écran, comme nous aujourd'hui. Mais aussi via tous les canaux de communication. Et on parlera dans quelques instants du CV. Le CV est aussi une manière d'exprimer votre marque. Et le maître mot sur lequel je reviendrai par la suite, c'est la cohérence. C'est est-ce que les messages que vous délivrez à travers ces canaux sont cohérents avec votre marque? Et aussi, est-ce qu'il y a une cohérence de tous vos outils à travers ces canaux? Parce que si vous vous présentez sur un CV différemment de LinkedIn. Et puis, si on vous a à l'écran, il y en a encore une autre impression. Mais ça, ce n'est pas une marque forte parce que vous diluez l'information. Voilà, je pense que c'est une première définition, Joël, très globale de ce qu'est une marque personnelle. Tout à fait. Non, non, très globale. Merci beaucoup pour cette introduction très complète déjà, malgré tout, Annick. Solange, on se tourne vers toi peut-être pour commencer à parler aussi du CV justement et du lien entre le CV et la marque personnelle. Enfin, je ne sais pas si c'est Annick ou Solange qui va commencer. Moi, peut-être juste aussi pour introduire alors sur cette marque personnelle, de dire, voilà, comme Annick l'a dit, c'est vraiment une marque personnelle qui permet notamment sur les réseaux sociaux de vous identifier, de vous rendre visible et de vous différencier. Donc, elle doit se construire, elle construit votre identité professionnelle autour de votre expertise et de votre personnalité, comme l'expliquait Annick. Donc, elle va vous permettre de vous différencier et notamment, je vais faire le lien avec la recherche d'emploi, le recrutement, de ne pas être un profil dans la masse, mais bien d'améliorer votre visibilité et de devenir un candidat unique, le candidat qui se démarque. Donc, elle doit être claire pour être visible dans l'environnement professionnel et pour gérer votre carrière et vos projets. Donc voilà, que cette marque soit claire, bien affichée, bien communiquée, permet aussi aux recruteurs, bien sûr, de vous voir et de vous identifier plus facilement, mais aussi de mettre en avant votre plus-value qui permettra aux sociétés de faire le bon choix parmi les candidats performants. Pour aller un peu plus sur le CV, justement, c'est vrai que le CV, comme les profils LinkedIn, sont souvent standardisés, mais la marque personnelle permet d'identifier plus facilement et plus rapidement l'identité, la personnalité d'un candidat derrière son CV ou avec son CV. On peut certainement, après, comme l'a expliqué Annick, avoir défini clairement sa marque personnelle, la rendre visible sur son CV, tout en restant dans une structure claire. Comme je vais vous citer quelques exemples, hein, et je laisserai Annick aller un peu plus loin sur certains d'entre eux, la photo. Il est essentiel que la photo soit pro, c'est le tout premier contact que vous avez avec votre interlocuteur. Il est essentiel aussi qu'elle reflète vos
personnalité, mais qu'elle soit aussi en adéquation avec votre fonction, votre activité ou votre personal branding, et votre personal branding, je devrais dire. Annick, tu parlais d'un tagline. C'est vrai qu'on peut aussi identifier cette marque personnelle par une phrase d'introduction, un objectif sur le CV aussi. Mais voilà, de nouveau, le but n'est pas de faire un roman, mais vraiment d'avoir des mots-clés, une phrase, un objectif clair pour convaincre l'interlocuteur que votre parcours, votre expérience, vos compétences font que vous êtes le ou la bonne candidate pour le poste visé. On peut parler aussi, bien sûr, du design d'un CV, en étant attentif de ne pas s'improviser graphiste ou designer si ce n'est pas votre métier ou que ce n'est pas en cohérence avec votre marque personnelle. Vous pouvez bien sûr mettre certains projets, certaines compétences ou certains accomplissements en avant. Vous pouvez aussi l'identifier dans tout ce qui est centre d'intérêt et hobby, s'il y a un parallèle qui peut être fait avec le monde professionnel et qui est en lien toujours avec votre marque personnelle. Et vous pouvez aussi certainement sur votre CV ajouter des liens vers des sites web ou des réseaux sociaux dont on parlera par la suite pour voilà, personnaliser aussi et envoyer vers plus de détails. Et sachez qu'on en parlera dans LinkedIn, vous savez aussi tout à fait personnaliser le lien de votre profil LinkedIn, voilà, dans un vocabulaire et dans une présentation plus sympa pour apparaître sur votre CV et rejoindre votre profil LinkedIn. Bien, Annick, je te passe la parole pour quelques compléments d'éclairage sur ce côté CV. Oui, merci Solange, c'est déjà extrêmement clair et Solange a déjà fait des liens vraiment pertinents vers le personal branding. Je reprends ce que Solange a dit, la valeur ajoutée, hein, comme j'ai dit il y a quelques instants, est vraiment essentielle. On voit parfois des CV qui décrivent de manière exhaustive l'expertise, les compétences, mais au fond, on les relie, on se dit, mais qu'est-ce que la personne va apporter dans la fonction pour laquelle elle postule, qu'est-ce qu'elle va apporter de fort et d'unique. Et donc, il est vraiment important, quand vous avez défini votre valeur ajoutée, qu'elle apparaisse dans votre CV, dans votre profil ou dans votre objectif, mais en tout cas qu'elle apparaisse. Donc, au fond, il y a deux choses, et je reprends tout à fait ce que Solange a dit, il y a des éléments tangibles, c'est le fond, c'est ce que vous allez mettre, votre valeur ajoutée. Ne soyez pas exhaustif, un CV est un teaser, ça doit donner envie de vous voir, de vous rencontrer. Si vous voulez être exhaustif, eh bien, vous allez perdre les gens dans des détails qui ne sont pas pertinents. Donc, demandez-vous à chaque mot que vous mettez, est-ce pertinent par rapport au job pour lequel je postule. Ça, c'est le fond. Et puis, il y a la forme, et comme Solange l'a dit, la photo est très importante, souriante, un fond clair. Parce que si vous avez une tête de prisonnier et que vous êtes complètement avachi, ça ne va pas donner envie de vous rencontrer non plus. Et puis il y a la structure, la forme, ça ce sont les éléments intangibles. Est-ce que ça donne envie de rentrer dedans? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que la forme correspond au fond? Je parlais de cohérence, la cohérence d'un CV. Si vous dites que vous êtes quelqu'un d'extrêmement structuré et que vous avez un CV exhaustif, analytique, eh bien, ça n'est pas cohérent. Donc, quand vous avez votre CV, demandez-vous si le fond et la forme sont cohérents, parce que c'est vraiment extrêmement important. Voilà. Ça, donc, ce sont des messages qui sont des messages de pertinence et de cohérence. Mettez ce qui est pertinent par rapport à la société ou au job pour lequel vous postulez, et soyez cohérent entre le fond et la forme, et entre ce que vous mettez et votre personal brand. Super, merci. On va passer au deuxième petit sondage de notre webinaire, et vous poser la question de votre niveau d'expertise pour exprimer votre marque personnelle sur les médias sociaux, avec de nouveau trois possibilités de choix. Donc, je vous laisse 20-30 secondes pour répondre. Florence, peut-être envoyer les résultats. Merci.
Donc, beaucoup d'entre vous sont encore débutants, ce qui est tout à fait compréhensible. Et malgré tout, 25% se sentent à l'aise ou experts. Donc, peut-être un petit commentaire là-dessus, Annick? Oui, alors évidemment, tout ça est relatif. Les personnes sont très exigeantes, elles vont plutôt dire qu'elles n'ont pas encore l'expertise, mais c'est intéressant parce que, surtout dans le marché aujourd'hui, on reviendra, Joël, je pense que tu diras un mot sur le marché, évidemment, à la fin, mais il est vraiment important d'utiliser les médias sociaux parce que, dans les circonstances actuelles, c'est votre premier outil de visibilité. Donc, il est vraiment intéressant de constater que la grande majorité d'entre vous estiment qu'ils ne sont pas encore suffisamment experts en la matière. Et donc, j'espère que ce webinaire va leur apporter quelques outils vraiment concrets. Et donc justement, pour rentrer encore un peu plus loin dans le concret, que recherchent les employeurs lorsqu'ils examinent le profil d'un employé potentiel sur LinkedIn, hein, qui est quand même le réseau business le plus utilisé par les employeurs pour rechercher les employés potentiels et par les recruteurs également, ben, comme Robert Half, et sur les autres médias sociaux. Donc, que recherchent les employeurs? Solange, c'est toi qui commences? Oui, alors je vais commencer un peu comme l'a dit Annick tout à l'heure pour le CV. Je pense que le profil LinkedIn doit être un teaser, une vitrine pour donner envie d'aller plus loin dans l'analyse de la candidature ou dans le contact avec le candidat. Donc c'est vrai que en analysant ici nos experts hein, LinkedIn, puisque comme le disait Joël, on est sur ce réseau ben, dans la recherche de nos candidats, c'est vraiment d'avoir une vue rapide, globale de ce que fait le candidat jusqu'à présent, sa fonction, les sociétés, les compétences, pour voir justement s'il est intéressant pour la fonction, pour le poste en vue d'approfondir, notamment via un entretien. Soyez attentifs, puisque sur LinkedIn, et on ira un peu plus loin dans les différents champs, ben, les premiers champs qui sont vus, on en parle. C'est la photo, donc la photo doit être présente. Certains se posent toujours la question, est-ce que je dois la mettre ou pas? Ben, dans l'environnement de LinkedIn, elle est proposée. Si elle n'est pas mise, c'est comme si vous n'aviez pas été au bout du processus. Donc voilà, les premiers champs comme la photo, le banner, le nom, le prénom, le titre de profil sont très très importants. Et sachez aussi que, ben voilà, en tant que recruteur ou ce qui est recherché, c'est que vous avez la possibilité d'inclure le champ disponible pour. Donc vous avez des case, pardon, à cocher simplement de pouvoir indiquer si vous êtes ou non à l'écoute de nouvelles opportunités. Viennent ensuite, bien sûr, ben voilà, le fond aussi, hein, le parcours, l'expérience. Donc, il faut que les choses soient claires, à jour, évidentes, pas de texte trop long. Au niveau des compétences, on doit pouvoir identifier rapidement l'étendue de vos compétences sans forcément devoir aller fouiller. Donc, de nouveau, voilà, de la clarté et de l'évidence. Les compétences linguistiques, Annick en a parlé également, et tout ce qui est aussi diplôme et qualification. Ajoutez aussi, bien entendu, vos coordonnées pour faciliter la prise de contact. Voilà, les recruteurs savent bien sûr, hein, par des emails ou des messageries, ben, prendre contact avec vous, mais faciliter les choses avec des coordonnées claires aussi. Et j'irai, voilà, plus loin dans tous les détails. Peut-être juste un mot par rapport aux autres réseaux. Mais c'est vrai qu'on va parler beaucoup de LinkedIn, puisque comme le disait Joël, c'est le réseau ben voilà, professionnel prédominant. Hein. Mais c'est vrai que par rapport aux autres réseaux, ce que les recruteurs vont chercher, ben, c'est un peu d'affiner leur perception du profil et de vérifier, comme le disait Annick aussi, la cohérence entre leur perception, la marque personnelle affichée sur ces autres réseaux, notamment par rapport aux publications, aux interactions, aux photos, aux commentaires, aux adhésions à certains groupes ou autres. Donc voilà, soyez attentifs de bien choisir les réseaux et d'être attentifs à votre présence sur certains réseaux qui sont parfois privés, mais qui restent quand même des environnements publics. Donc d'être attentif aussi à la cohérence là de nouveau. Je te laisse compléter, Annick. Oui, tout à fait. Tout ça est donc très vrai et fait partie du brand et de votre différenciation. Et je pense que le plus important quand vous allez sur les réseaux sociaux, et je parle là plutôt professionnel comme LinkedIn, mais c'est de savoir ce que vous voulez communiquer et à qui. Parce que le vocabulaire qu'on utilise pour une PME n'est pas le même que celui qu'on utilise pour une grande entreprise. Vous savez aussi que dans différents secteurs, mais il y a du wording, comme on dit, qui est très propre au secteur. Si vous êtes un spécialiste du pharma qui voulait rester dans le pharma,
eh bien, ayez les bons mots et ceux qui matchent avec le pharma. Mais si vous voulez élargir, attention à ne pas avoir trop d'acronymes, parce que les gens ne comprendront plus. Donc, il est vraiment important, comme dans une stratégie marketing, de dire, mais je m'adresse à qui, au fond? C'est toute la difficulté de LinkedIn par rapport à un CV. Parce que dans un CV, vous allez l'adresser à un employeur pour une fonction. Tandis qu'ici, les gens me disent souvent, oui, mais j'ai plusieurs cibles, donc vous devez rester très ouvert, et en même temps, chaque cible doit s'y reconnaître. Donc, il est extrêmement important aussi, dans votre démarche, de vous dire, mais au fond, quel type d'entreprise m'intéresse vraiment? En cohérence avec mon brand, quelles sont mes tailles d'entreprise préférées, une grande ou une petite? Est-ce qu'il y a des secteurs qui m'intéressent? Et d'essayer de composer votre profil en fonction de la cible que vous voulez toucher. Pour le reste, je pense que Solange a vraiment donné tous les éléments essentiels pour vous différencier. Votre valeur ajoutée doit apparaître. Donc, votre brand, et c'est dans le about, évidemment, juste en dessous de votre photo. Parfois, il y a des gens qui mettent la tagline tout au-dessus, hein, au lieu de mettre des mots-clés. Mais sinon, le about, le summary, vous permet aussi d'exprimer votre valeur ajoutée avec vos compétences clés et de vraiment mettre ça en lumière. Les skills sont importants aussi, parce que vous serez recherché sur base de skills. Donc, veillez à avoir suffisamment de skills et en relation avec le job et le type d'emploi que vous avez envie d'avoir. Et puis, il y a des éléments de différenciation que Solange a mentionnés. Si vous faites du bénévolat, si tout ce qui peut vous différencier et montrer en fait tous les éléments intangibles de votre personnalité sont importants à mettre en évidence parce qu'ils vont vous rendre plus unique et plus différenciant et ouvrir à une discussion qui peut être extrêmement intéressante aussi. Tout à fait. Et donc, on va continuer un petit peu dans cette voie et justement vous demander, lors d'une recherche d'emploi, ben, quelles sont les meilleures pratiques que vous conseillez dans l'utilisation de LinkedIn? Tu en as déjà cité plusieurs, Annick. Solange, tu avais cadré ça de manière un peu plus générale. Est-ce qu'il y a d'autres conseils plus spécifiques encore qu'on peut donner aux participants sur l'utilisation de LinkedIn? Je vais aller plus loin justement dans certains de ces champs dont on a parlé Annick et moi. Donc peut-être voilà de le repréciser si vous choisissez d'avoir un profil LinkedIn pour votre carrière parce que c'est le bon positionnement à avoir, il doit être bien complété et entièrement complété. Ça, je pense que c'est vraiment important. Il doit être utilisé correctement. Il doit être mis à jour régulièrement aussi en mettant en avant justement vos compétences pour faire valoir vos expériences et aussi mettre en valeur votre réseau. Peut-être juste pour reciter les champs dont Annick et moi on a parlé, certains on a déjà été un peu plus loin, ben voilà la photo, on en a déjà beaucoup parlé, ça doit être ce teaser aussi pour aller plus loin. Il y a également le banner, la photo d'arrière-plan qui permet aussi de faire ressortir votre profil, de soigner l'apparence de celui-ci, et ça peut être aussi là la place pour illustrer votre personal branding avec une image, un logo, des mots-clés en image. Les coordonnées, je vous en ai parlé pour faciliter la prise de contact. Annick parlait justement du titre professionnel. Donc, c'est vraiment le titre qui se trouve en dessous de votre nom hein, sur LinkedIn. Vous avez 120 caractères. Donc, ce n'est pas encore le résumé summary. C'est vraiment le titre professionnel. C'est la première chose qu'on voit avec votre banner, votre photo, votre nom, votre prénom. Donc, ça ne doit pas forcément être l'intitulé exact de votre poste actuel, mais ça peut être aussi ce que vous recherchez ou en quoi vous faites la différence, comme le précise disait Annick. Annick l'a évoqué, j'insiste aussi beaucoup sur les mots-clés dans tout votre profil, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des expériences. Sachez que les recruteurs utilisent aussi beaucoup les moteurs de recherche LinkedIn avec des mots-clés justement. Donc, si vous voulez pouvoir être référencé aussi, comme on le dit dans le langage Internet, de pouvoir utiliser un maximum les mots-clés qui correspondent à vos compétences, à votre profil, à votre personal branding. Annick, tu en parlais aussi, hein, je pense, le choix de la langue. Tu parlais des compétences linguistiques, mais le choix de la langue de rédaction est également important en fonction, comme tu le disais, du secteur visé, du type de société dans lequel vous voulez travailler ou des pratiques d'un secteur, forcément. Le résumé, tu en as parlé, mais voilà, qui est vraiment la synthèse du profil professionnel. Les expériences, les accomplissements, ça doit être clairement accrocheur,
utiliser les mots-clés de nouveau. Je conseillerais, et beaucoup chez nous le conseil, de le rédiger à la première personne, pas à la troisième personne, juste pour le petit clin d'œil, c'est un peu plus accrocheur aussi. Et soyez attentifs parce que c'est aussi la première chose qu'on voit. Donc de nouveau, on va insister sur le côté teaser pour que ça donne envie d'aller plus loin dans la consultation du profil. Les expériences, clairement, dans le fond, c'est important de pouvoir détailler ces expériences, mais en étant clair, précis et concis, n'allez pas dans trop de détails inintéressants. Faites toujours bien le lien également avec les entreprises concernées, si elles sont dans la base de données LinkedIn, pour avoir le logo de la société, mais ça donne aussi une image plus claire de votre parcours. Et vous avez aussi la possibilité même d'ajouter des réalisations pour illustrer vos compétences, avec des liens vers des articles, d'uploader peut-être des exemples de votre travail en étant attentif que ça reste dans le cadre professionnel et pas confidentiel forcément. Peut-être aussi un petit conseil pour les plus juniors au niveau des expériences. C'est vrai qu'on est parfois tenté de tout mettre. Attention de bien rester concentré sur vos expériences les plus probantes pour votre recherche d'emploi et peut-être aussi de les faire évoluer. Je vous parlais de mise à jour, mais de les faire évoluer au fur et à mesure de vos expériences puisque certaines expériences peut-être plus mineures perdront petit à petit de l'intérêt. Je pense au stage, donc pensez à l'updater régulièrement. Les compétences, Annick, tu en as parlé. Dans LinkedIn, vous pouvez choisir les compétences que votre réseau peut référencer également. Et sachez aussi que vous pouvez épingler trois compétences principales qui vont apparaître en tête de liste. Donc, choisissez bien aussi les compétences qui collent à votre parcours ou à votre personal branding. La formation également, je sais qu'on a souvent la question, est-ce que je dois réellement mettre ma formation? Sachez qu'il y a de l'intérêt de certains recruteurs de connaître clairement le cursus, le niveau scolaire, mais c'est aussi clairement un bon moyen de permettre à d'anciens étudiants peut-être de vous retrouver aussi et qui va étendre aussi votre réseau et certainement vous ouvrir des opportunités professionnelles. Les deux derniers champs, les recommandations. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a des recommandations possibles sur les compétences, mais le plus important, c'est de demander aussi des recommandations écrites à vos anciens collègues ou même surtout à vos anciens managers, parce que ça peut jouer sur la qualité de votre profil. Et vos relations peuvent ainsi attester de votre professionnalisme et ainsi participer aussi à la promotion de votre image de marque professionnelle sur le réseau notamment. Dernière chose, et pas des moindres, puisque c'est ce qui va faire vivre aussi LinkedIn, ce sont les centres d'intérêt. Donc, vous pouvez là choisir des entreprises que vous voulez suivre, des groupes avec des sujets en lien à votre recherche professionnelle, à votre parcours, à votre expertise, à votre marque personnelle, dans lesquels vous allez être inclus et dans lesquels vous allez pouvoir aussi suivre les actualités et interagir, puisque ces choix de société et de groupe vont aussi vous permettre de voir apparaître sur votre fil d'actualité les actualités justement de ces sociétés, de ces groupes et de pouvoir interagir avec elles. Puisque, en effet, vous l'avez compris, au niveau et au-delà du profil, LinkedIn, c'est bien un réseau social qui permet de suivre des actualités de notre réseau, que ce soit des personnes de notre réseau, des sociétés qu'on suit, des groupes, d'entrer en contact, d'échanger, d'interagir, de liker, de partager, de commenter, de publier. On peut faire beaucoup de choses. Et si vous voulez être visible et donc être vu, c'est important d'être actif aussi sur ce réseau en partageant en interagissant. Soyez aussi attentifs à vos interventions dans les forums puisqu'elles sont importantes pour vous faire connaître. Donc intervenez, interagissez ou réagissez à des articles et à des publications autour de votre expertise parce que c'est des moyens simples et efficaces aussi de vous faire connaître, d'asseoir vos compétences sur le réseau et de votre expertise auprès d'un public cible. Sachez aussi que ces groupes sont souvent fréquentés par des recruteurs ou des acteurs du secteur, donc c'est important de vous faire remarquer auprès de ces acteurs. Voilà pour les conseils. Très complet. Annick, je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Peut-être je crois qu'on a quelque chose que je pense, Solange, effectivement, là, tu as brossé tout ce qui est vraiment important. C'est simplement sur la qualité de vos contacts. Parce que souvent, on regarde le nombre de contacts qu'on a, mais il est important de faire un tri. Si vous n'avez que des anciens collègues
Est-ce que c'est intéressant dans le cadre d'une recherche d'emploi si vous avez envie de changer d'entreprise? Donc, il est important aussi à un moment de se dire, mais est-ce que j'ai les contacts pertinents dans ma recherche d'emploi? Par exemple, des recruteurs, il est important d'en avoir. Pourquoi? Mais pour rester dans leur top of mind. Donc, avoir 1200 contacts n'a pas d'intérêt si la qualité des contacts n'est pas présente. Donc, très important aussi de se demander s'ils sont pertinents par rapport à ce qu'on souhaite avoir comme projet professionnel. Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais peut-être rajouter, moi, une toute petite dernière chose, c'est que je conseillerais de vraiment répondre aussi aux sollicitations que vous recevez via LinkedIn, via email de recruteurs ou de sociétés, mais ce sera peut-être plus souvent des recruteurs. Même si l'opportunité qui vous est proposée n'est pas tout de suite celle qui vous intéresse, répondez, expliquez en deux mots pourquoi ça ne vous intéresse pas et ce qui vous intéresserait. Parce que notre métier est aussi un métier vraiment de réseautage permanent et ce sont des informations qu'on va reprendre aussi dans nos bases de données et qui nous permettront peut-être à un moment donné de justement de vous aborder avec une opportunité encore un peu plus ciblée par rapport à vos intérêts. Très bien. Oups. Et donc, on va vous poser la question maintenant, notre troisième et dernier petit sondage. À quel stade vous en êtes dans le développement de votre réseau en ligne? Êtes-vous avancé, intermédiaire ou débutant? Quelques secondes de réflexion et de réponse. Florence, merci. OK. Bonne moitié qui se sentent intermédiaires, quand même 17% qui se sentent déjà avancés, et puis 30%, un tiers d'entre vous qui est encore débutant. Solange, Annick, un petit commentaire sur ces résultats? Mais juste si je le mets en lien avec ce dont je me souviens du sondage précédent, je me dis que pas mal de gens sont déjà plus loin que la connaissance de leur brand. Donc attention, il est peut-être temps aujourd'hui de revoir de manière Aligné. plus fine votre branding pour que rapidement et votre valeur ajoutée soit mise en évidence, puisque je vois que pas mal de gens sont quand même déjà plus de la moitié, sont déjà dans le réseautage. Hein. Donc. À fait, tout à fait. Très, très bonne analyse. OK. Et donc, justement, parlant du réseautage de manière générale, quelle est son importance dans la recherche d'un emploi et quelles sont les meilleures pratiques à recommander? Je pense que voilà, on l'a expliqué, hein, les réseaux sociaux sont aujourd'hui indispensables pour être visibles, se faire connaître, se démarquer. Ils permettent d'entrer en contact avec des potentiels recruteurs, d'interagir avec d'autres experts pour asseoir nos compétences, de partager dans nos domaines de compétences et de nous rendre visibles et de démontrer voilà, nos connaissances. C'est aussi aujourd'hui un moyen de trouver un job. Il y a de nombreux recruteurs sur LinkedIn et certaines sociétés recrutent en direct et parfois même uniquement via LinkedIn. C'est aussi important d'avoir du réseau puisque certains employés partagent des opportunités, des offres d'emploi dans leur réseau. Donc, au plus votre réseau aussi est large mais ciblé, comme le disait Annick, et au plus vous aurez de chances de voir circuler des opportunités qui vont vous intéresser. Ce qui fonctionne aussi sur les réseaux en ligne, c'est le bouche à oreille. Donc, le fait d'avoir un bon réseau choisi également va permettre peut-être à vos contacts de faire votre promotion s'ils voient eux ou s'ils entendent des opportunités qui peuvent vous correspondre. Donc, c'est vrai que dans les conseils, nous aussi, on vous conseille de choisir, mais de vous connecter avec des personnes avec lesquelles vous avez des contacts intéressants, de faire vivre aussi ces contacts, ne pas hésiter à les féliciter, occasion d'anniversaire, de promotion. LinkedIn, ben voilà, propose aussi automatiquement ces interactions, de bien rejoindre des groupes en cohérence avec vos compétences, votre choix de carrière. Voilà, de nouveau, soyez visible, mais de manière relevante. Valorisez vos expériences en intervenant dans vos domaines d'expertise lorsqu'un tiers formule par exemple une problématique. Mais ne cherchez pas non plus à intervenir partout, tout le temps, mais vraiment plutôt à des endroits ben voilà, stratégiques et au bon moment.
Et n'oubliez pas aussi, voilà, je l'ai déjà dit, LinkedIn reste un réseau social. Donc, comportez-vous sur LinkedIn aussi comme vous le feriez en direct. Il faut engager la conversation, échanger, débattre de façon naturelle. Voilà, le but n'est pas non plus là d'aller harceler quelqu'un parce qu'on veut être en contact. On est vraiment dans une relation aussi sociale à ce niveau-là. Et votre réseau, pensez-le aussi, ça se construit sur la durée. Donc, il faut voilà, aussi l'alimenter, l'enrichir et ne pas attendre juste de vouloir changer de fonction pour tout d'un coup être très, très actif aussi et faire bouger son réseau. Donc voilà, il faut utiliser LinkedIn qui nous permet aussi cette dimension sociale, la discussion et l'échange de contenu. Super. Annick ? Tout à fait. Je dirais peut-être en complément effectivement que faire vivre les réseaux, selon je l'ai dit, c'est essentiel. Et c'est aussi donner et pas seulement recevoir. Certaines personnes se rendent compte à un moment qu'elles n'ont plus activé le réseau, qu'on a fait appel à elles, elles n'ont pas répondu. Évidemment, quand vous allez frapper à la porte après, vous serez moins reçu. Donc, c'est donner, donner, donner. C'est interagir, mais c'est aussi aider les autres quand vous avez des demandes. Et c'est vraiment important d'être dans cette proactivité dans les réseaux et pas dans une position d'attente. Et puis peut-être juste ajouter qu'un bon elevator pitch, une bonne présentation très concrète, très to the point, en quelques lignes, qui peut s'écrire si vous avez des contacts écrits, soyez dans une position d'offre et pas de demande. Ça veut dire soyez capable de dire dans un court message, voilà ce que j'offre, et pas je demande un job, non. Je suis dans une position de valeur ajoutée. Donc, on est vraiment dans une démarche de marque personnelle et c'est de l'exprimer à chaque interaction que vous avez l'occasion d'avoir. Très brièvement, mais de manière extrêmement pertinente. Merci, Annick. Tout à fait pertinent, effectivement. Un petit mot peut-être maintenant sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que le marché de l'emploi évolue aujourd'hui? En tout cas, quelle est notre vision des choses? Et donc là, je vais prendre 2 minutes la parole. Simplement pour, avec le recul maintenant qu'on a sur l'année 2020, donc on a vu une année qui avait très bien commencé, qui a connu un coup d'arrêt au mois de mars-avril, pour ensuite repartir lentement mais sûrement, avec des sociétés mieux organisées dans leur pratique virtuelle opératoire, avec des sociétés toujours malgré tout en besoin de talents et de renforts dans différents secteurs de l'entreprise, qui se sont donc remises à utiliser par exemple notre intermédiaire pour recruter en CDI ou en intérim ou en interim management des talents qui étaient en recherche sur le marché ou à les aborder même de manière proactive pour des talents spécialisés dont ils avaient besoin. Et donc, ce que je voudrais donner aujourd'hui comme message, c'est qu'on a vu tout au long de la deuxième partie de 2020, un marché qui progressivement reprenait des couleurs, reprenait de la dynamique, et où donc le nombre d'offres d'emploi et d'appels à nos services remontait sensiblement. La fin de l'année, c'est toujours une période un petit peu plus calme avec les vacances aussi. Et depuis le début du mois de janvier, c'est toujours les sociétés s'organisent. Mais on sent aussi maintenant, malgré tout, de nouveau cette traction qui s'installe sur le marché, même s'il y a encore évidemment beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes, la lumière au bout du tunnel parfois se rapproche, parfois s'éloigne un petit peu au niveau de la libération du marché. Donc, nous ne pouvons que prôner patience et persévérance pour ceux d'entre vous qui sont en recherche active d'emploi, mais aussi optimisme parce qu'il y a des possibilités. Il y a des secteurs qui recrutent de manière très active, pour lesquels la pandémie a eu peu d'effets, même parfois des effets de renfort, comme le secteur de l'e-commerce, mais aussi, par exemple, la construction s'est très, très bien reprise, tout le côté food et commerce alimentaire, la santé, le pharmaceutique. Donc, il y a
y a pas mal de secteurs malgré tout qui ont continué à bien fonctionner ou qui, après un petit hiccup, se sont remises très très vite et sont en demande de talent. Donc voilà, certains secteurs ont malgré tout beaucoup souffert. Donc il faut peut-être cibler un petit peu mieux encore ces recherches, en tout cas sectoriellement pour l'instant, parce que certains secteurs ne sont pas à la demande. Mais fonctionnellement, hein, on remarque aussi que, par exemple, dans nos spécialisations administratives, le service client, le customer service, comme on dit chez nous, tout le secteur de la logistique également, hein, beaucoup de livraisons partout en Belgique. Et donc, tout le secteur du transport, la livraison, le secteur logistique fonctionne très bien, et les fonctions aussi de dispatching, etc., fonctionnent fort. Tout ce qui est financier, la comptabilité n'a jamais arrêté d'être une fonction en demande forte. Par exemple, toutes les sociétés fiduciaires qui font la comptabilité des entreprises, que les entreprises aillent très bien ou aillent moins bien, leurs résultats doivent être comptabilisés. Il y a aussi beaucoup d'évolutions digitales et numériques dans le secteur de la comptabilité, donc des talents qui ont l'occasion ou qui ont les compétences pour d'adaptabilité également nécessaires à la transformation numérique seront aussi fort demandés. Et toutes les fonctions d'analyse financière, de contrôle de gestion, les sociétés ont dû beaucoup analyser leur business dans tous les détails, leur rentabilité, refaire leur budget, etc. Donc, c'est des fonctions qui fonctionnent quand même aussi très bien encore aujourd'hui, pour ne citer que ces deux exemples-là. Donc, je dirais vraiment, persistance, c'est normal d'avoir beaucoup de non avant d'avoir un oui dans le marché actuel, les oui vont venir, et on espère vraiment aussi, pour notre part, que le marché se redynamise encore plus sur le deuxième trimestre et troisième et quatrième trimestre de cette année-ci. Voilà peut-être un petit mot d'introduction sur le niveau du marché aujourd'hui. Je ne sais pas si Solange, tu veux rajouter quelque chose. Peut-être juste de confirmer qu'il y a des changements un peu plus opérationnels aussi dans les offres d'emploi au niveau des hard skills et des soft skills, donc des compétences techniques et personnelles. La situation aussi que l'on a connue a fait évoluer les choses, hein, notamment au niveau des compétences techniques, telles que des capacités certainement plus IT liées à la digitalisation, à l'automatisation, mais aussi au travail à distance pour certains. Mais les compétences personnelles également, telles que la capacité d'être proactif, la communication à distance qui complique les choses parfois, la résilience et surtout l'adaptabilité sont importantes. Donc voilà, les compétences techniques sont importantes et les compétences personnelles font la différence aujourd'hui. Tout à fait. Peut-être aussi un petit mot, Solange, sur l'intérêt d'envisager une fonction temporaire dans le marché d'aujourd'hui. Alors, il est certainement intéressant, et pour les personnes sans emploi, d'envisager des fonctions temporaires, hein, telles qu'on les propose dans nos divisions intérim, hein, notamment. C'est vrai que ce sont des missions qui permettent de rester actifs, d'entrer en contact avec de nouveaux professionnels qui vont eux aussi étendre votre réseau, mais aussi ajouter et approfondir certaines de vos compétences ou de vos connaissances. C'est des missions aussi qui vont permettre de prouver votre capacité d'adaptation, votre agilité, votre motivation pour un futur employeur. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines missions qui se transforment en opportunités de long terme, car vous êtes finalement la bonne personne pour le poste ou pour la société, et vous avez pu le démontrer grâce à cette opportunité temporaire. Donc je pense que c'est très important de l'envisager aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et pour conclure et terminer doucement ce webinaire, parce qu'on arrive bientôt à l'heure. J'ai repassé la parole à Annick pour qu'elle nous parle un petit peu de sa formule CAP. Oui, donc, juste pour peut-être aussi apporter un tout petit élément par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est rester confiant. Comme le disait Joël, vous pouvez avoir beaucoup de non et à un moment vous aurez un oui, mais connaissez vos talents, vous avez tous ces talents exceptionnels, connaissez-les et communiquez-les. Donc CAP sera peut-être un nouveau projet professionnel. Le C de cohérence,
Je pense que j'ai insisté beaucoup sur ce mot pendant toute la présentation, que votre communication soit cohérente avec ce que vous voulez et la personne que vous êtes, et aussi qu'il y ait une cohérence dans tout ce que vous montrez de vous, que ce soit sur les médias sociaux, dans le CV, dans votre manière de vous présenter, dans votre elevator pitch. La cohérence est vraiment un mot extrêmement important. Authenticité, restez vous-même. Le développement de sa marque personnelle est un processus qui vient de l'intérieur. On a parlé valeur, on a parlé talent. Ce n'est pas mettre une image qu'on aimerait être. Donc, c'est un processus authentique. Et enfin, le P de perception. Perception, donc, soyez conscient de la manière dont les gens vous perçoivent. C'est extrêmement important. Et si cette perception ne correspond pas à la personne que vous êtes, il y a probablement des choses à mettre en place. Donc, il y a aussi la cohérence entre la manière dont vous êtes perçu et la personne que vous êtes. Et c'est vraiment important d'être conscient et voire de travailler sur cette perception. Très bien, voilà. Je crois que c'est une très belle conclusion à notre webinaire, Annick et Solange. Merci beaucoup pour votre attention, bien sûr, au niveau des participants. Et puis, on va ouvrir un petit peu aux questions. On a déjà plusieurs questions qui nous arrivent. La première, je vous la soumets à toutes les deux. Bonjour, je ne suis que sur LinkedIn. Donc, je ne suis que sur LinkedIn. Et donc, poster sur les autres réseaux sociaux ne m'intéresse pas vraiment. Est-ce grave? Est-ce un problème? Est-ce que ce sera mal perçu si je ne suis donc que sur LinkedIn et pas sur les autres réseaux sociaux? Je peux bien répondre, et Annick avait déjà donné une réponse à cette question en disant ben non, il faut justement choisir sur quel réseau vous voulez être et le choisir en fonction du public cible que vous visez. Donc, je pense qu'il y a cette réflexion à avoir, mais ce n'est certainement pas un problème et pas grave de n'être que sur un réseau si c'est le bon. D'accord. Tout à fait. Donc, il y a cette stratégie est vraiment essentielle de savoir où vous voulez être visible. Évidemment, si vous optez pour un job digital, je pense qu'il est important d'être sur plusieurs médias sociaux. Ça dépend aussi du type de fonction à laquelle vous aspirez. Ce sera moins important pour certaines fonctions que pour d'autres. Donc évidemment, si le fait d'apparaître dans les réseaux sociaux n'est pas essentiel dans votre stratégie de communication, ce n'est pas un problème. Si par contre, ça fait partie de la fonction d'avoir cette présence sur les médias sociaux, mais là, est-ce que vous avez, le bon objectif en tête? Il faut se poser la question. Donc, c'est encore une fois une question de cohérence et de choix. Tout à fait. Et peut-être encore justement une question de cohérence ici. Nous avons donc une question. Quid de l'historique de son LinkedIn, de son profil LinkedIn, si on se repositionne complètement ou si on veut se repositionner complètement dans un autre créneau? Donc, je ne sais pas si tu veux y aller, Annick, ou si j'y vais. Oui, oui. Donc, en fait, ce qui est très important, si vous changez d'orientation à 180 degrés, par exemple, c'est de bien mettre en évidence dans ce que vous avez fait auparavant, quelles sont les compétences transférables, les compétences clés. Hein, Solange parlait des soft skills, mais le fait que ce n'est pas un virage, que vous avez développé dans une autre carrière, dans votre carrière, toutes ces compétences, et qu'aujourd'hui, vous voulez les mettre en lumière dans un nouveau projet, mais qu'il y a une continuité. Parce que le mot-clé, quand vous êtes dans une recherche d'emploi, c'est rassurer, rassurer, rassurer. Et donc, dire « je change tout à fait d'option », ça fait peur. Donc, non, c'est « j'ai développé des compétences, et aujourd'hui, je souhaite les mettre à profit dans un autre type de projet ». Donc, c'est assurer cette continuité. J'allais juste dire que c'est une transition à avoir, de ne pas changer radicalement, mais comme tu l'as dit, avec cette réflexion de faire transiter avec des personnes plus expertes et puis de pouvoir moins suivre et peut-être faire évoluer simplement en mettant à jour régulièrement. Question aussi très pratique que je t'adresse peut-être, Solange. Est-il recommandé d'ajouter un tag, Annick bien sûr aussi, un tag open for work sur la photo LinkedIn quand on est en recherche d'un nouvel emploi?
Alors, je pense que comme je l'avais exprimé dans LinkedIn, il y a déjà une possibilité sur LinkedIn très évidente hein, de « je suis ouvert aux opportunités de pouvoir le choisir ». Maintenant, voilà, est-ce que ça doit apparaître sur la photo encore plus évident avec ce hashtag ou pas? Je pense que c'est un choix de chacun aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, que ce soit clair et évident pour un recruteur ou un potentiel employeur de savoir que vous êtes en recherche et qu'il peut vous contacter aussi rapidement et spontanément pour un boulot. D'accord. Même avis, Yannick? Oui, absolument. Évidemment, si vous êtes dans un job, de temps en temps, la discrétion. Donc, il faut aussi, comme le dit Solange, considérer chaque cas de manière appropriée hein, pour voir la visibilité que vous souhaitez donner à cette ouverture. En sachant peut-être juste repréciser que cet espace justement dans LinkedIn, en tout cas ouvert à d'autres opportunités, n'apparaît pas pour d'autres collègues de votre société. Donc voilà, important de le savoir si vous êtes en fonction. Tout à fait, mais parfois il y a des gens qui mettent « open to new opportunities » dans leur résumé ou dans leur… Donc effectivement, ça apparaîtra. Voilà, utiliser cet outil-là est plus pertinent. Je vais continuer un petit peu. On a pas mal de questions. Merci de nous les envoyer. J'espère qu'on aura l'occasion de répondre à la plupart. Sinon, je veux déjà signaler que, bien sûr, Annick, Solange et moi-même restons disponibles ici sur notre email ou même par téléphone ultérieurement pour être contactés, pour répondre à des questions plus spécifiques. Vous avez nos coordonnées ici sur le slide. Mais encore des questions justement sur LinkedIn, l'illustration. Quelqu'un nous demande, est-ce que les émojis apportent une valeur ajoutée dans le titre professionnel sur LinkedIn? Je dirais juste qu'elle doit être en cohérence là de nouveau avec la personne, avec son personnel branding ou pas. Ce n'est pas forcément une valeur ajoutée, sauf si elle peut être expliquée, illustrée là derrière et tout dépend du type d'émoji. J'en ai une autre pour toi aussi, Annick. Comme ça, on va peut-être pouvoir répondre à plusieurs. Sauf si tu avais un commentaire vraiment très spécifique sur les émojis. Mais en tout cas, dans certaines publications, si vous faites des posts sur LinkedIn, etc., les émojis, d'après les dernières études que j'ai pu lire, peuvent augmenter le niveau de visibilité par rapport à votre profil. Mais à utiliser, comme l'a dit Solange, avec discernement, évidemment, et en lien avec votre brain. Bourrer votre communication d'émojis n'a pas de sens, mais il est vrai que ça peut augmenter la visibilité, en tout cas quand on fait des posts ou quand on poste des articles. Vous conseillez de ne peut-être pas tout dévoiler de nous dans le CV sur LinkedIn. Faut-il pour autant laisser tomber certaines expériences devenues obsolètes? Peut-il y avoir des trous dans notre ligne du temps? Par rapport aux expériences obsolètes, moi je dirais, voilà comme on l'a expliqué, si par rapport à d'autres expériences plus valorisantes, elles sont moins relevantes, elles ne doivent pas forcément apparaître. Et maintenant, par rapport aux trous pour un CV, c'est l'occasion là aussi en entretien de pouvoir l'expliquer ou pour ne pas avoir de trous, peut-être juste avoir cette expérience un peu moins détaillée que les autres simplement si le trou vous fait peur. Mais sinon, c'est aussi l'occasion d'en discuter par la suite. Et d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait apparaître ou pourquoi il y a simplement un trou dans votre CV ou dans votre parcours parce qu'il se justifie et il s'explique autrement simplement. Tout à fait. C'est une chose à expliquer évidemment des visus. Maintenant, il est vrai que, comme le dit Solange, on peut toujours trouver dans une expérience quelque chose de pertinent par rapport à l'objectif qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut certainement pas mentir, mais mettre le spot en lumière des éléments qui peuvent être pertinents et se limiter, comme le disait Solange, à ça, de manière extrêmement brève. Voilà. Question peut-être aussi de cohérence ou en rapport aussi avec les hobbies sur LinkedIn. J'ai commencé sur LinkedIn pour promouvoir mon hobby, qui est dans ce cas-ci le pilote, qui est devenu une part de ma personnalité. Est-ce que je dois tout supprimer de mon profil, sachant que maintenant je suis dans la recherche d'un emploi dans les finances? Je pense que les hobbies, surtout si ce sont des passions, sont extrêmement importants. Parce que ça peut faire l'objet d'une discussion, encore une fois, plus détaillée. Et en général, en coaching, je vais toujours voir les hobbies des gens et les passions
parce que les ingrédients qui font que la personne a choisi cette passion sont en lien avec les ingrédients qui font qu'elle opte pour un métier. Et on peut faire un lien direct. Donc, quand on peut faire ce lien et l'expliquer en interview, c'est toujours un plus parce que ça renforce votre marque personnelle. Très bien. Très bien. Y a-t-il des alternatives à LinkedIn ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que sur le marché, LinkedIn est le réseau professionnel, en tout cas en Belgique, qui prédomine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une multitude de réseaux sociaux et qui sont parfois plus utilisés dans certains domaines d'activité, certaines fonctions. Donc là, je pense, comme on l'a expliqué, il faut repérer et choisir le réseau le plus pertinent en fonction de ses recherches, de sa carrière et de ses envies de carrière. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est où est-ce que votre cible va aller chercher les profils. Comme c'est sur LinkedIn majoritairement aujourd'hui, pour certains jobs, mais si vous êtes, par exemple, pour des PME très spécifiques, locales, etc., ça va être moins le cas. Mais la majorité des employeurs vont aller faire le recrutement sur LinkedIn. Donc, c'est un choix, mais si vous n'y êtes pas, vous allez probablement perdre des opportunités de contact. Oui. Aujourd'hui, en Belgique, il y a Viadeo en France. Donc, ça dépend un peu du marché aussi dans lequel vous postulez, où vous voulez aller. Hein. Il y a d'autres réseaux dans d'autres pays, mais ici, c'est, comme le disait Solange, vraiment très majoritairement LinkedIn. Oui. Très bien. Une fonction peut-être aussi pour une question pour toi, Solange. Où peut-on trouver les postes d'intérim temporaire quand on est débutant? Chez nous. Alors, on a chez Robert Hall des bureaux d'intérim spécialisés en administration et en finance, et on travaille beaucoup avec des juniors qui se lancent. On aide beaucoup de juniors aussi à se lancer sur le marché, à se vendre et à acquérir de nouvelles compétences pour la suite de leur carrière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Au niveau du télétravail, quel est l'impact du télétravail obligatoire, à l'heure actuelle évidemment imposé par le gouvernement, sur le redémarrage du marché? Bon, je peut-être dirais... en dire un mot, oui, juste Solange, et je te laisse compléter. Je crois que c'est vrai qu'effectivement, le télétravail est demandé à la plupart des entreprises qui peuvent le faire, hein, sauf exceptions spécifiques, certaines activités. Je dirais que les sociétés, en tout cas dans notre expérience, on voit que les sociétés se sont organisées vraiment bien pour la plupart autour de cette obligation de télétravail et parviennent à être efficaces et à remplir leur objectif social en télétravail. Ça leur donne même au niveau du recrutement, du marché du recrutement, ça leur donne des possibilités supplémentaires puisqu'ils sont moins restreints par la proximité géographique du lieu de travail ou le trafic vers le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Donc, ils peuvent même, je dirais, il peut y avoir des opportunités qui s'offrent à des candidats qui sont beaucoup plus éloignés du lieu de travail qu'avant. Donc ça c'est pour le côté positif. Maintenant voilà, c'est vrai que c'est sûr que la libération complète du marché permettra une dynamique encore plus importante évidemment on l'espère dans les mois qui viennent, quoi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Solange. Oui, c'était vraiment dans ce sens aussi, en disant il y a eu la surprise dans la première vague et là, malheureusement, ça l'a fort impacté, comme tu l'as expliqué. Mais depuis, les sociétés se sont organisées et au niveau du recrutement et au niveau de la largeur de sélection et certainement pour ne pas freiner des débuts de mission. Donc, on a beaucoup de personnes en intérim, mission d'intérim ou en recrutement long terme ou en intérim management qui commencent en télétravail et organisées avec notre support aussi pour que tout se passe au mieux. Tout à fait. Et même la formation de ces, quand on commence dans une nouvelle fonction en télétravail, elle s'organise. C'est vraiment quelque chose qu'on arrive à organiser à distance. Donc, c'est de plus en plus performant, je dirais, à ce niveau-là. Annick, je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire là-dessus. Oui, non, je pense que tout a été dit. C'est vrai que, et probablement, ça va rester dans une mesure moindre après. Donc, c'est un style de travail qui va être plus présent dans les années à venir. Et donc, le facteur géographique, effectivement, devient moins important. Oui.
Ça ouvre beaucoup plus de perspectives pour les employeurs, effectivement. Ouais. Je vois qu'il est 1h10. On va prendre une toute dernière question. Mais donc, il y en a encore quelques-unes, mais n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Dernière question ici. Pouvez-vous, et ça s'adresse, j'imagine, à Annick et toi, Solange, l'une de vous deux, pouvez-vous évaluer un compte LinkedIn personnalisé? Donc, j'imagine, donner un feedback sur un compte LinkedIn. Oui, ce sera, comme tu dis, pas de l'évaluation, mais plutôt un feedback, ben voilà, en fonction des conseils ou de la perception et certainement de la ligne de conduite, dira Annick, entre la personne et son personal branding là derrière. Mais contactez-nous avec grand plaisir. Absolument, absolument. Et l'adéquation entre l'objectif de la personne, sa personnalité et ce qu'elle montre et ce qui est visible sur le profil, évidemment. Hein, voir s'il y a une cohérence. Hein. Oui. Tout à fait. Très bien. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier toutes les deux, Annick et Solange, pour ce webinaire et d'avoir partagé votre expertise. Remercier tous les participants, évidemment, qui étaient présents à notre webinaire. Vous rappelez que le dernier de notre série aura lieu le jeudi 25 février, et nous clôturerons cette série en essayant de vous aider à seal the deal, donc à finalement obtenir l'opportunité qui vous intéresse. Donc, on s'intéressera à cela avec aussi deux business coach spécialisés dans ce domaine-là. Donc, merci à tout le monde. Excellente après-midi aussi à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir.